Dans le dernier vidéo, je vous disais que j'étais très honoré de figurer dans le livre de Jean Lauzon, ces images qui nous regardent. Jean Lauzon a choisi une de mes photos que j'ai prises à Beijing et je vais vous expliquer le contexte, comment j'ai pris cette photo-là. Cette photo-là a été prise à Beijing en 2018. À l'époque, j'étais gracieusement hébergé chez mes amis Paul et Catherine, qui sont deux Québécois qui habitent à Beijing, qui sont de très bons amis à moi. Et donc, j'étais chez eux, là, je dormais chez eux pendant quelques jours, le temps de me trouver un appartement. Et une journée, Paul avait besoin d'une pièce pour sa salle de bain. Alors, on a essayé de trouver une quincaillerie dans les environs, on est allé se promener dans les petites rues. Et c'est en étant dans une petite rue, en tournant la rue, que je vois ce petit garçon-là qui est dans la fenêtre, dans la fenêtre d'un dépanneur. C'est comme un dépanneur ou un petit magasin où on peut acheter des trucs. Alors moi, j'arrive et je vois le petit garçon. Et un truc que j'explique toujours dans mes cours de photographie de rue, c'est l'anticipation, c'est être prêt à voir les choses arriver. Alors ça implique de l'observation, aussi d'avoir son appareil toujours prêt. Moi, mon appareil est toujours allumé, toujours prêt pour prendre des photos avec une bonne vitesse d'obturation. Comme ça, je manque rien. Et l'appareil que j'ai utilisé, puis que j'utilise encore souvent pour faire de la photographie de rue, c'est cette Olympus EM1 Mark II avec un objectif, avec une longueur focale de 28 mm. C'est une longueur focale que j'adore pour la photographie de rue. Alors, c'est ça. Alors, je me promenais dans la rue et je vois ce petit garçon-là dans la fenêtre. Puis tout de suite, je commence à prendre des photos. Puis Paul était à côté de moi. J'ai dit attends, arrête un petit peu. Puis je me suis vraiment approché tout en prenant quelques photos. Et quand je suis arrivé à la hauteur, le petit garçon est rentré à l'intérieur pour dire à son papa « Hey, le drôle de monsieur là, qui prend des photos. » Mais le papa, il est sorti, puis là, j'ai dit quelques mots, puis j'ai montré les photos, puis il a trouvé ça très, très drôle. Et c'est ça, c'est comme ça que j'ai pris cette photo. Puis comme vous pouvez voir en post-production, évidemment, je photographie en RAW, donc en post-production, j'arrange mon noir et blanc. Et aussi, je recadre aussi la photo. J'ai recadré la photo pour la mettre droite. Moi, j'ai pas de problème de recadrer des photos en post-production. Pour moi, la post-production, c'est un processus qui fait partie de la production de la photo. Fait que j'ai pas de problème avec ça. Alors, c'est comme ça que cette photo-là a été produite. Je vais présenter d'autres photos que j'ai faites dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines. J'espère que vous aimez ça quand je vous explique comment je fais certaines photos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos que je vais faire. Bonne journée!